respect pour lui, effectivement. Mais il a vendu ça pour remettre ça à l'œuvre de Dieu. Donc l'esprit, là, c'était pour remettre à l'œuvre de Dieu. Il a divisé. Un million, il a pris 500 000. Moi, il a donné pour. Il a retiré pour lui, il a mis. Puis là, il a dit à sa femme, tu t'étais, hein? Mais qui s'en sent intéressant? Il va me sortir, il va m'acheter un sortir. Allons-y. Sa femme le sachant, sur cela, je viens à sa femme, il est venu comme son bon connaît. Combien? Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Ah, c'est l'argent du ministère. J'ai vendu, j'aime le Seigneur. À cause du Seigneur, j'ai vendu mon champ. Que le Seigneur me bénisse, apôtre. J'ai cru le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'ai vendu mon seul champ qui me reste. Tiens, écoutez bien l'apôtre. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu partie du prix de du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas. Pierre, toi. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as vendu. Alléluia, ce n'est pas à des hommes. C'est pour ça que ce ministère de jour fait ça. Quand tu décides de servir Dieu, ce n'est pas aux hommes que tu as menti. Allons-y. Mais à Dieu. À Dieu. Il est tombé. Allons-y, poursuivre avec Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il est mort. Il est mort. On ne joue pas avec Dieu. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Tu n'as pas envie de le servir, ce n'est pas un problème, c'est même un problème. Mais quand tu viens le servir, va faire sa main. Amen. 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 Tu as dit, c'est pour Dieu. Tu n'as qu'à rester pour Dieu. Tu mets la malédiction dedans. Il te dit, mais c'est ton champ. Mais le fait de le prendre, Dieu a vu. C'était son argent. Mais le fait de le dire, c'est pour Dieu. Puis il a retiré dedans. Le châtiment de Dieu s'est battu sur lui. Il est mort. Vous êtes venu servir Dieu. Si il y a la fausseté en vous, vous allez mourir. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il faut s'apprêter à ça. Je vous prépare déjà à ça. Ah, lui, il est tombé malade, il est mort. C'est Dieu qui l'a châtié. Vous voyez les gens, vous voyez la compassion de leur billet de belle poche. Tu es venu au ministère. Ça va? Tu lèves le billet. Vous voyez la compassion des âmes. Quelqu'un qui doit sauver. Amen. Amen. Dieu voit tout ça. Toi, tu as dit compassion des âmes. Et puis, tu n'es pas sincère sur ce que tu es en train de faire. Mais tu oublies d'étaler. Amen. Amen. Tu oublies d'étaler. Nous sommes en train de servir Dieu. Ne jouez pas à ça. On ne s'amuse pas à ça. Sauf qu'il y a une malédiction. C'était son argent. Mais comme il y a eu un réveil, les gens ont décidé de se mettre ensemble. De voir de la même manière. L'autre vient, il voit notre esprit. Dieu t'oblige de frapper. Quitte. Cet esprit-là que je veux au milieu de moi est ici. Oui, si, si. C'est pour cet esprit-là que Dieu veut ici. Nous les voit de la même manière. Donc les Ananias là seront frappés par Dieu. Amen. 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 Les Ananias là seront frappés par Dieu. Amen. Allons-y. Une grande crainte saisit tous les autres. Ah, on dit une grande crainte. Dieu a permis ça pour qu'il y ait la crainte. Il s'empare des cœurs. La crainte va commencer à s'emparer des cœurs. Ah, Dieu frappe. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, ils l'ont pris. Il fallait le tenter. Sorcier. Allez. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Elle n'est pas venue son mari. Moi, qu'elle vient. J'ai vu adresser la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez parlé de chien? L'apôtre Pierre va s'adresser à sa femme sans problème. Il dit, ah, écoute, est-ce que c'est vraiment ce prix-là que vous avez vendu? Elle vient même détecter quelque chose. Voilà. Elle vient dire, c'est qu'il a su quelque chose. Amen. Elle est la raison d'apôtre. Lui, répondit-elle, sorcier. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, vous êtes accordé pour entendre l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Amen. Elle est morte. Le jeune Jean, étant entré, la trouvait morte. Il l'emportait. Dégage, le musulman. Allez, vite. Amen. Amen. Frère, nous avons commencé le ministère. Le réveil a commencé. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous avons commencé à mettre de l'ordre. Nous avons commencé à nous aimer entre nous. Nous avons commencé.
renoncer à corriger l'image de Jésus, celui qui va vous envoyer un fruit étranger va payer comme un abaissé. Amen. 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 L'œil humain, mais si on sent qu'il y a quelque chose qui va vouloir détruire l'image du ministère, c'est nous qui devons cracher ça et chercher à arranger ça. Si nous voulons détruire, nous allons périr comme Ananias et Saphira. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Nous allons au Seigneur de donner le même esprit de comprendre que nous devons le servir avec crainte, avec beaucoup de zèle, avec crainte. Nous devons aider à vos amis à vous-même. Il va nous protéger ce ministère. Seigneur, notre Dieu, Jésus, nous allons arrêter.